Fiche. Température et pression, c'est vérifié. Volant tenu, c'est sur les freins. Régime 100. Et puis départ, donc on s'aligne en 28, on soulage à 50, la rotation à 60, panne avant, réduction freinage arrêt, on prévient les autres, même s'il n'y a personne. Et après, panne mineur, tour de piste main gauche, ouais. Panne majeur, droit devant, et puis je reprends les commandes. Et puis le départ, bah, au début tu montes à jusqu'à 1450 pieds, puis après je te dirai à quel moment on peut monter plus haut. D'accord, ça marche. Donc tu vois, là, il a un peu précessionné, tu vois, on le remet bien sur la 28, la pompe on la mise, et puis tiens, bol phare, tu vas le laisser, on va le mettre tout le temps. Je le mets là? Ouais. Voilà, okay. C'est parti. Donc la puissance, tu vérifies que tu as bien les tours. Puissance correcte, vas-y doucement, voilà, doucement avec le pied. Voilà, puissance correcte, le bas est actif, 50 tu soulages, 60 tu peux faire ta rotation. Ouais, là remets-le en ligne de vol, là, tu vois qu'il monte pas trop, trop fort non plus. Et là tu prends bah, comme d'hab, 82. Alors du coup tu vois, t'as des petits, quand il y a des petites turbulences comme ça, essaye pas vraiment de les corriger. D'accord. Sauf si jamais l'avion partait de manière continue. C'est-à-dire que s'il partait vraiment à gauche, bah, tu le remets bien. Mais logiquement, une turbulence, t'as pas besoin de la contrer. Ancienne puissance, toujours. Bah, toutes les batteries sont toujours plein gaz. Tu m'as dit combien, 2000? 2005 dans un premier 2005. Temps. 2005. Donc tiens, t'as qu'à prendre ce cap là, t'es impeccable, cap 240. Et on va monter à 3000 pieds sol. Là pour l'instant, on est encore dans la zone où c'est 3005 max. Donc on va s'arrêter à. Bon, toi, tu peux poursuite à monter jusqu'à au moins 3000 et je te dirai pour monter un petit peu plus après. Et alors, vu que on est à 3000 pieds sol et qu'on est en dessous de l'altitude de transition, on va rester au QNH local. Oui. Et on va monter, donc tu vas te mettre, là le sol est à 300 pieds, on va se mettre à 3003. 3003? Ouais. Et je te prends les commandes. Ok. Ouais, donc je vais faire le premier. Donc commande à droite. Donc, première chose qu'on fait, sécurité intérieure. On est d'accord, tout est bien attaché. Oui. Ok. Après, sécurité extérieure. Donc regarde, j'incline de ton côté, regarde au-dessus et en dessous s'il y a personne. Ok. C'est bon? Oui. Pareil, du bien. Au-dessus, en dessous. Ok, je pousse un petit peu pour voir dessus et je monte un petit peu pour voir au-dessus. Okay. Okay. Maintenant, on va préparer la machine. La pompe et la réchauffe. Ok, pourquoi? Parce que regarde, il fait 10 degrés, donc il fait moins 10 dans le carbu. Ok. On va trimer l'avion pour pas avoir qu'il soit pas trimé à cadrer, tu vois. Ok. Et on y va. Donc j'ai mis la pompe, la réchauffe. Et on réduit. On est, vu qu'on est en configuration lisse, on s'attend à décrocher à 58 nœuds. Ton avertisseur de décrochage, tu vois, c'est le truc rouge. D'accord. Donc regarde, je cabre mon avion et j'attends.
70 nœuds. Regarde l'avertisseur de décrochage. Il va pas tarder à sonner, à se mettre en rouge. Il est rouge, tu le vois? Okay. Et là, regarde, je continue de cabrer. Et là, ça y est. Hop. Ah. Donc tu vois, j'ai senti le. Regarde, petit... je mets le nez sous l'horizon, un petit peu de puissance. Et j'attends d'être à 80. Je suis à 80, ça y est, je suis sorti du décrochage. Okay. Je reprends une assiette positive. Et là, je mets toute ma puissance. Et en okay. fait, on a perdu combien? On a perdu 200 pieds. Et je l'ai fait à 3002. Ok. Alors okay. maintenant, on refait exactement la même chose. Et c'est toi qui le fais. Ok. Alors je te remets à 3002. Ça va, t'as vu, c'est... Ouais, non, ça va. Mais c'est marrant, le petit ressenti, on sent que ça, ouais. ça glisse, quoi. J'y suis allé tout doucement, ok. Alors, t'as les commandes, prends les commandes. Donc surtout tout doucement avec les pieds, réduis okay. complètement tes gaz, et je te guide à la voie. Donc tu réduis, vas-y, réduis complètement tes et gaz. Et tu m'as dit, ça va aller à droite, c'est ça? Alors. Complètement, complètement? Ouais, tu okay. réduis complètement. Tiens-le bien, ton avion, okay. tiens-le. Les ailes à plat. Ok. Voilà. Voilà, ne l'incline pas, t'as vu que là on a une assiette. Ah ça va super vite voilà. du coup à... Regarde l'avertisseur de décrochage. Ok. T'as vu? Ok. Il est rouge. Voilà, tire un peu plus. Tire un peu plus. Et là tu sens qu'il a envie d'y aller, tu vois. Hop là, vas-y, tu pousses, un peu de puissance. Vas-y. Et t'attends d'avoir 80. Eh bien, je voilà. pas, voilà. T'as 80, maintenant tu cabres. Et tu remets plein pot. Alors tu cadres tout doucement, c'est vraiment une ressource toute douce. D'accord. Ok. Et t'as vu, on a perdu combien? 400 pieds. Ok. Alors, alors je t'enlève la réchauffe. On va prendre ce cap là, on va rester comme ça. Vas-y, remonte un petit peu. On va remonter. Donc là on fait une troisième et cette fois je parle que. Ah, okay. ok. On va remonter à 3002. Hop. Voilà, tu peux y aller, je te remets la réchauffe. Vas-y, okay. tu réduis tout. Là, je réduis tout. Oh, tu réduis tout. Voilà, garde bien ton inclinaison nulle, surtout. Voilà, et cabre ton avion, cabre-le. Vas-y, cabre, cabre. Parce que sinon, avec l'effet Picard, tout doucement. Voilà, avec l'effet Picard, sinon, il va pas... voilà, cabre-le encore un peu plus, 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 encore... Et voilà, là tu sens ah qu'il oui, part. C'est... Vas-y, pousse. Ok, la puissance. Attends d'avoir 80. Tac. Alors, oh. tout doucement. Voilà. Ouais. Et là, tu remets plein pot. Ok, je t'enlève la réchauffe. Ok, j'ai les commandes. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va sortir le volet. Donc, t'as vu à quelle vitesse l'avertisseur de décrochage, il était à peu près à 58 nœuds. D'accord. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le même phénomène, mais à une vitesse plus basse. Parce D'accord. que tu augmentes la surface portante de ton aile. Ouais. Ok. Donc, on va vérifier la sécurité. Regarde de ton côté, il n'y a personne. Ouais. Ok. Du mien aussi, au-dessus, en dessous, parce que t'as vu, on perd quand même 400... 300 à, oui, 400... oui, oui. Ouais, 300 à 400 pieds, ok. On va mettre la réchauffe, on va sortir, prends les commandes, ok. Hop, on réduit, et on va sortir cette fois les pleins volets. Okay. ok. On réduit tout, et on cabre notre avion, tout doucement, voilà. Bien les ailes à plat, surtout. Regarde ton avertisseur de décrochage. 28R et elle dégagée. Voilà. Ah oui. Et là, tu sens que l'avion, à 50, ouais. il va, regarde, on remet la puissance avec le nez sous l'horizon. Et on D'accord. attend d'avoir au moins 80. On a 80, alors on remet le nez sur l'horizon, la puissance à fond. Et là, regarde, on ne rentre qu'un seul cran et on attend. Ouais, c'est progressivement un deuxième cran et on attend. Et on attend que notre vitesse augmente. Et on rentre le plein volet. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va faire en virage. Alors, en virage, pareil. Sécurité intérieure. Ouais. Extérieure. On verra.
vérifie. Je vais juste regarder les altitudes ici, on est impeccable. On va reprendre un petit peu d'altitude, on va le faire en virage gauche. D'accord. Okay. Celui-ci, on le fait ensemble. Ok. Donc, on va imaginer, on va prendre un cran de volet, on peut les sortir là. Ok. La pompe, la chauffe. On va réduire un petit peu. On va mettre, par exemple, 1900 tours. Et on imagine, t'es en finale. D'accord. Et t'inclines. Ok. Voilà, t'inclines à 30 degrés. Ok. Okay. Et là, tu cabres. Et regarde ton avertisseur de décrochage. Charlie Alpha. Regarde l'avertisseur. Dès qu'il est rouge, on sort. Il est rouge. Donc, les ailes à plat, le nez sous l'horizon, la puissance. Ok. Tu vois, tout doucement. On a 82, c'est bon. Je remets mon nez sur l'horizon et je mets les pleins gaz. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Okay. Maintenant, on fait le dernier décrochage, c'est le décrochage en ressources. Donc on imagine, on imagine qu'on est en descente au bureau. Donc on va prendre, on imagine toi, on va mettre que deux crans de volet. Ok. T'as mis 1700 tours. Ok. T'es tranquillement en descente, donc on va prendre un régime de descente 400 pieds minute 82. Et tout d'un coup, regarde ce que tu fais, regarde ton avertisseur de décrochage. Tu cabres d'un coup sec. Alors là, il est tellement gentil. Il a pas voulu. Il est tellement gentil, l'avion, qu'il a pas voulu. Il dit vas-y François, recommence. Il a pas voulu décrocher. Donc on va le reprendre. On est en descente. Voilà. Ah oui. Voilà. Okay. Pourtant, t'as vu, j'ai bien de la puissance. Ouais. Et pourtant, j'avais de la puissance. Et malgré tout, il s'est mis à sonner. C'est à cause de quoi? C'est la soudaineté. Oui, c'est d'un coup en fait il passe. Voilà. Et regarde, bon, on était en descente, hein. Mais t'as vu ce qui se passe? À partir du moment où tu le fais d'un coup sec, ouais. La vitesse est passée de 82 à. On avait pourtant deux crans, il est censé décrocher à 52-53-2. Et t'as vu ce qui s'est passé? On a eu l'avertisseur de tout. Ouais. C'est ce qu'on appelle le décrochage dynamique en ressources. Parce que on a cadré d'un coup sec. Peut-être que j'y étais allé trop doucement. C'est ça, t'as été trop doux. Voilà. On en fait un dernier et on rentre. Donc, t'as les commandes, monte-moi à 3000 pieds. 3000, ok. Ouais, 3000 pieds. Et là, tu fais l'intégralité de l'exercice toute seule. C'est-à-dire aussi bien. La sécurité que, et c'est toi qui choisis, tu le fais avec volet ou sans volet. Ok. Barre fermée. Troisième. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Je dois mettre la réchauffe. Alors à bord, non, avant l'avion. Oui. S'il n'y a rien qui se balade, voilà. Regardez à l'extérieur. Sécurité intérieure, tout est bien attaché, ouais. Tu vois, il n'y a pas de stylo qui se balade. Ouais. Sécurité extérieure, incline des deux côtés. Ok. Incline du tien, tu dois voir en dessous de l'aile qu'il n'y a personne, ouais. Et au-dessus qu'il n'y a personne. Pareil okay. De mon côté à moi. Et le jour du test, tu fais pareil avec ton examinateur. Tu lui demandes qu'il regarde bien, qu'il est okay. Parce que tu as vu, on a fait un décrochage, on a perdu 400 pieds. Donc si on ouais. Avait un avion en dessous de nous, voilà, ok. Après, tu peux préparer ton avion. Donc la pompe et la réchauffe. Voilà. Réchauffe. Et voilà. Et maintenant, je te parle plus, tu te mets en décrochage toute seule et tu sors du décrochage toute seule. Ok. C'est quoi le plus simple? C'est de le faire avec les volets ou... En lisse. Ok. T'as remis un tout petit peu de puissance, c'est parfait, mais dès que t'avais 80
quand t'as repris une assiette, là tu remets plein pot. Ouais, j'étais pas sûr, j'ai hésité. Je me alors, suis Dans le doute, t'as raison de faire les choses de manière douce. T'as vu, t'as vu là, le décrochage en ressources. Ouais. Le problème, c'est la violence de la ressource qui fait que tu décroches. Ah oui, ah tiens, je te prends les commandes, je te mets juste un. On va en faire un, la pompe, la réchauffe, où on sort sans les gaz. Regarde, je réduis tout, on est en lisse. Hein. Donc je réduis. Alors là, tu aurais dû me dire qu'on n'a pas fait gaffe à l'altitude. Regarde, donc je cadre. Et voilà, t'as vu l'avertisseur de décrochage? Ouais. Ok, regarde. Je fais ça, je laisse faire, et tu vois, j'ai pas besoin de remettre de la puissance. Tu vois, là, j'ai 82, voilà. Et là, regarde, maintenant, eh ben, je peux voler. Avec cette vitesse, je peux voler. Je suis plus en décrochage. Ouais, ouais. Par contre, c'est sûr que si tu ne remets pas la puissance, bah, tu vas faire que tu vas refaire que descendre, etc. Ok. Alors, t'as les commandes, et ben ramène-moi à 1500 pieds et on rentre. Alors, tu vois, Pascal, c'est pas des exercices violents. Voilà. Et on a, tu vois, et tu trimes ton avion de manière à pas avoir, parce que tu vois, on a réduit les gaz pendant la descente. Mais là, on n'est pas censé descendre, donc faut que tu le tiennes avec ta main gauche et tu l'empêches de descendre. Enfin, ça t'a donné ta VFE. Voilà. Et toujours, quand tu sors les traînées, on vérifie on vérifie la puissance. Alors tu vois, tu peux en remettre un tout petit peu, tu vois, il nous manque 20 tours, tu les remets. Et on doit être... on a le vent qui nous pousse à l'intérieur du tour de piste, tu vois, on a un vent de la droite, donc il faut l'anticiper, sinon on va se retrouver à l'intérieur du tour de piste. Et bah, je te propose qu'on fasse un complet, hein, on aura fait à peu près 40 minutes. Ça marche. Les numéros box Yankee Lima en base 28 pour un complet. Les numéros box Yankee Lima en finale 28 pour un complet. Voilà. Par contre, regarde ton vario, il descend pas. Ouais. Voilà. Donc, alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit t'as pas assez réduit. Encore une fois, le régime est une variable. Oui, c'est pas obligatoire. Voilà. 2007. Et tu vois, regarde, on peut sans un deuxième cran de volet. Ça va nous créer de la traînée. Du coup, tout de suite, t'as vu, ta vitesse verticale, elle augmente. Parce que forcément, t'as sorti de la traînée. Ça nous arrange, on était un peu haut sur le plan. Donc... ce qu'on veut, c'est que la vitesse augmente pas, mais on veut rattraper le plan par le haut. Et là, regarde, si on fait rien, le vent nous pousse à droite. Ouais. Du coup, on vise légèrement à gauche de piste. Regarde la vitesse, on a encore, allez, 10 nœuds de trop. Boum, on enlève 200 tours et on fait une petite variation à cabrer toute douce pour compenser l'effet piqueur. D'accord. Du coup, on arrive à 75,2. C'est ce qu'on voulait, ok. Et une fois que tu as rattrapé le plan, tu remets un petit peu de gaz pour continuer. Alors le vent est un peu de la gauche, machin, donc tu vises ton point d'aboutissement, mets ta main sur les gaz. Quand tu passes le point d'aboutissement et les chevrons, tu réduis tout. Je réduis. Voilà, et fais ton arrondi. Vas-y, arrondi. Voilà. Et tu vois que tu as le vent de la gauche, donc ouais, tu mets ton... tu mets de suite. Voilà. Oh là. Ça, c'est les pieds. Ouais. Il faut y aller plus doucement avec les pieds. Mais ton atterrissage... Moi, j'ai l'impression de pas appuyer, en fait, justement. Bah, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il se balade, donc tu dois le contrer. Et ça, c'est vraiment que moi qui fais ça. Ouais. Ouais, tu vois, là, t'as... Ouais, et effectivement il est parti. Alors ton atterrissage était pas mal. T'as vu, au niveau de l'arrondi, il était bien dosé, etc. Moi j'avais les mains à côté. D'accord. Mais j'ai pas touché. Hein. Ah, je pensais. Non, j'avais les mains juste à côté au cas où, parce qu'il y a quand même du vent de travers. Hein, donc ouais. C'est pas la situation la plus facile quand t'as du vent de travers. Donc j'avais les mains à côté. Mais non, c'est bien. Alors qu'est-ce que tu penses de tes premiers décrochages? Bah, je trouve ça cool. C'est marrant. Hein. Les bureaux de Fox Yankee Lima, la 28 est dégagée, on roule pour l'air de stationnement polluaire. Là on peut reconfigurer la machine, hop, et on peut couper le phare.
Donc c'est pour ça qu'on fait les choses de manière douce. D'abord le nez sous l'horizon, un petit peu de puissance, 1,3 de marge, on était en lisse, ça nous donne 60 plus 18, 78, on arrondit à 82. Dès que tu as 82, tu es sorti du décrochage. D'accord. Ouais, là, tu remets le nez sur l'horizon et tu remets ton régime de croisière. Ouais. Et ton régime de croisière, bah, c'est entre 2004 et 2005. Ouais. Et c'est là que tu as la bille qui peut partir à droite. Et le problème, c'est l'effet cabreur. Si tu mets plein gaz d'un coup sec et que tu as un effet cabreur, tu fais un décrochage en ressources. Oui. Bah. De manière générale, si tu es douce avec l'avion, il sera doux avec toi. Il fait pas de... t'as vu, franchement, il se comporte très bien en décrochage. Le X-Ray Papa, c'est pas pareil. Hein. Le X-Ray Papa, c'est un avion qui est certifié en catégorie acrobatique. Et lui, quand tu fais les décrochages, j'en ai refait là récemment avec, tu cabres, puis tout d'un coup, boum, il bascule vers l'avant. Ouais. Ouais. Il a une vraie abattée. Celui-ci, pas vraiment. C'est bien fait de changer d'avion. Oui, après, si on le cherchait vraiment, si on lui tirait d'un coup sec, il le ferait. Mais je pense qu'il décroche plus au vario qu'à l'abatté. J'en ai fait beaucoup avec celui-ci, il m'a jamais surpris. Le X-Ray Papa, parfois, il est surprenant.